Hello famille, c'est comment? C'est Eriton, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, pour toutes ces personnes qui ont pensé qu'il n'y aurait pas un rappeur du rap ivoire pour répondre au dernier tube du rappeur Didi B du groupe Kiff No Beat, ah ben, je vous informe qu'il y a quelqu'un qui lui a répondu. Voilà, et de plus belle, juste après le générique, je vais vous passer ce bout de réponse-là, et puis après, on va réagir dessus. En second plan, on va parler d'une mémé qui a ému toute la toile, qui a vraiment donné une leçon de vie à tous les internautes sur les réseaux sociaux. Franchement, 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 qui a malheureusement éteint le buzz, le faux buzz de Versailles. On se prend juste après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Bon retour, chers abonnés. Vous avez écouté la réponse d'Abomey l'éléphant. Vous avez bien écouté la réponse d'Abomey l'éléphant. Et je pense que c'est quand même une réponse méritée parce que quand tu te permets de clasher tous les acteurs du rap ivoire, il faut savoir que parmi ces rappeurs-là, il y en a des dignes qui ne se laissent pas faire. Même s'ils n'ont pas la même visibilité que toi, ils restent dignes et ils vont te répondre. Voilà pourquoi Didi B a eu cette réponse-là. Mais bien avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous parler de la Reigneuse et de son tube qui est toujours un peu épinglé dans ma description. Son clip arrive très bientôt et je veux encore vous inviter à aller la soutenir, à aller partager son lien et à vous abonner à sa chaîne. Parce qu'après ce projet-là, il y aura encore d'autres projets avec d'autres artistes. Voilà, c'est un grand projet de son ONG Développement et Intégration, Intégration et Développement plutôt. Donc c'est quelque chose à soutenir. J'espère que vous continuez à passer vos commandes pour le livre dont je vous ai conseillé ici, L'éveil spirituel à la lumière du Saint-Coran du grand Ahmed Balaghi. En tout cas, tâchez d'avoir ce livre-là, sinon vous allez le regretter après. Après, quand la communication va vraiment commencer pour l'instant, c'est Eritor qui en parle sur les réseaux sociaux et sur la page de l'écrivain lui-même. Mais quand ça va faire du boom, vous aurez pu avoir la chance d'avoir ce livre-là dans les rayons. Voilà, parce que parmi vous, beaucoup vont commander ce livre-là et attendre d'être contactés pour la livraison. Voilà, maintenant je pense qu'on peut démarrer la vidéo concernant Didi B, Abomey l'éléphant et la mémé qui tue le buzz de Versailles. Voilà, il y a 3 semaines de cela, le rappeur émérite du groupe Kiff No Beat sortait un tube, il n'y a pas l'un dedans. Une réponse à tous les nouveaux et les anciens rappeurs du rap ivoire, comme quoi il a la capacité de rapper comme eux, de faire comme eux. Mais en fait, lui, il rappe que pour du fric. Il chante que pour de l'argent. Voilà, lui, il veut être blindé financièrement. Donc, il s'est dit que c'est une perte de temps de vouloir rapper comme. Voilà, donc lui, il fait du rap commercial. Mais en intro, il leur montre qu'il a du talent pour faire comme eux. Et peut-être même mieux comme eux. Voilà. Et plus loin dans sa chanson, il s'est permis de dire que, à part lui, je cite, à part son groupe en tout cas, à part son groupe, c'est-à-dire les Kouf No Beat, tous les rappeurs du rap ivoire, d'hommes, c'est leurs parents. Cela signifie que les membres du groupe, les Kiff No Beat, beaucoup même sont déjà mariés dedans, vivent à leur propre compte, c'est-à-dire chez eux à la maison, ils sont leurs propres patrons, ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un, et ils envoient fustiger comme ça les autres rappeurs du rap ivoire, ces nouveaux rappeurs-là qui ont commencé à sortir la tête de l'eau, qui pour certains sont encore chez leurs parents. Donc il y a Abomey l'éléphant, Poulain de Feu du Darafat, légende du groupe Décalé, qui s'est permis aussi de lui envoyer cette réponse-là. Et je pense qu'elle est bien méritée. Ça va mettre un peu de piment dans ce rap ivoire-là, qui, Dieu merci, se comporte très bien. Et je pense aussi que c'est une leçon aussi pour Didi B. Bien vrai que je kiffe son morceau, bien vrai que j'apprécie vraiment son morceau, mais sa phrase qu'il a lâchée dans son morceau ne m'a pas trop plu. Parce que je sais qu'avant d'être chez lui aujourd'hui, il a vécu chez ses parents ou bien chez un parent. Donc c'était un peu une insulte, c'était une façon de rabaisser les autres acteurs du rap ivoire. Mais puisque c'est le rap, et le rap c'est quand même des clashs par moment, j'ai toléré et je rebondis. Au travers de la réponse d'Abomey l'éléphant, vous dites que je d'accord avec et j'espère qu'il aura une réponse de la part de Didi B. Est-ce que Didi B va répondre? Bon, je suis sûr que
il va se cacher ou bien lui et son entourage vont le conseiller à se cacher sur l'argument de « Non, il n'est pas connu comme toi, ça n'en vaut pas la peine, tu es Didi B, tu as presque 1 500 000 vues en moins d'un mois, donc tu n'as pas besoin de lui répondre. » Mais l'essentiel est que ce que nous on retient, ce que moi, Héritage, je retiens, c'est qu'il s'est fait clasher par Abomey l'éléphant et de la plus belle des manières. Et c'est une bonne réponse. Voilà. Il parle de sa taille. Je ne suis pas trop d'accord parce que je n'aime pas qu'on attaque le physique. Je préfère attaquer l'intellect que le physique parce que le physique, c'est Dieu qui donne. Voilà. C'est la seule partie où je ne suis pas d'accord avec Abomey l'éléphant. Mais quand il dit que quand ils reçoivent un peu d'argent de caution, ils pensent qu'ils sont arrivés, ce n'est pas faux. C'est vrai qu'actuellement, tu mousses bien. Tu as déjà fait tes preuves avec ton groupe. Mais jusque-là, tu as encore beaucoup à faire parce que tu es encore jeune. Et du jour au lendemain, ces jeunes que tu clashes aujourd'hui peuvent passer devant toi et tu seras passé aux oubliettes. Voilà. En tout cas, on attend de voir s'il y aura une réponse de la part de Didi B. Mais en tout cas, c'est chaud et j'ai bien aimé la réponse d'Abomey l'éléphant. Maintenant, parlons de la mémé qui tue le buzz des Versailles. Comme Dieu ne dort pas, il y a un faux buzz il y a quelques semaines de cela qui est apparu sur la toile du nom des Versailles et le balai. Voilà. Un jeune disjockey d'une cave là qu'un balai a attrapé, le soupçonnant d'être le voleur d'un vol. Et ça a vraiment créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Beaucoup n'étaient pas d'accord pour l'empathie et la sympathie que les internautes donnaient à ce jeune-là, qui était soupçonné de vol. Il y a beaucoup de personnes qui lui ont donné de l'argent, qui lui ont promis des biens. Il y a même une compagnie, pour ne pas dire une agence de voyage, qui lui a offert un billet d'avion sur Dubaï, tout frais payé. Et franchement, moi-même, j'ai pas apprécié. J'ai fait deux vidéos sur le sujet pour dire que vous êtes en train de pousser le jeune à sa perdition. Et comme Dieu ne dort pas, il y a une maman, je n'ai pas dit, il y a une mémé, qui, elle, par exemple, a un bon buzz, que je félicite. Si vous courez pour aller sur les pages où on parle d'elle, franchement, il faut partager au maximum les publications parlant d'elle parce que elle vient de nous épargner, de nous faire oublier un buzz qui a indigné toute une nation, toute la Côte d'Ivoire. C'était le buzz des Versailles. Je maintiens toujours mes paroles. Je ne suis pas d'accord avec ce buzz-là. Parce que, qu'il soit innocent ou pas, dès lors qu'il est soupçonné de vol, je pense qu'il n'y avait pas lieu de faire tout ce qu'ils ont fait autour. C'est vrai que beaucoup ont profité de ce buzz-là pour se faire voir. Mais cette mémé-là, je vous explique un peu son histoire. C'est une mémé qui est à Jamé, je crois, Renault ou au Mirador. À Jamé, Renault, qui vend des bananes braisées. Et qui s'est fait inscrire sur un papier, pour être sur un papier RAM, ce message-là. Où elle dit, tu veux aider? Bon, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais c'est une histoire du genre, tu veux de la banane, tu peux prendre, tu veux aider, dépose une banane, quelque chose que je ne me rappelle plus bien de sa phrase. Mais en fait, la maman, bien qu'elle vend ses bananes, mais à la base, elle dit que souvent, elle donne gratuitement des bananes aux passants qui n'ont pas les moyens de s'acheter des bananes qui ont faim. Voilà. Voilà, je me rappelle maintenant de sa phrase. Tu as faim, prends une banane, tu veux aider, dépose une banane. Question de dire que si vous avez les moyens pour payer ces bananes et s'il y a quelqu'un dans le besoin qui passe dans le coin qui a besoin de manger ses bananes, mais on va dire de régler son histoire de faim, son problème de faim, elle pourra lui donner gratuitement. Mais même si vous ne le faites pas aussi, elle le fait toujours pour beaucoup de personnes. Et cette image-là nous a vraiment plu. La page Face Magazine, le vrai, je vais faire la publicité de cette page-là. Mais c'est pas gâté, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. La page Face Magazine, le vrai, a publié la photo-là et il y a eu beaucoup de réactions. Moi, en tout cas, je vais contacter la maman tranquillement quand je retourne sur Abidjan pour lui faire un petit geste. Et j'invite aussi les personnes de bonne volonté à aider ce genre de personnes-là parce qu'elles nous donnent une notion de solidarité, une leçon de vivre ensemble. Voilà. Elle n'a pas grand moyen, mais elle pense à aider. Et vraiment, c'est quelque chose à encourager. Ce n'est pas une histoire où il y a un problème de vol, où il y a un qui est soupçonné et toute la toile se mobilise à partager toutes les publications et à le couvrir de cadeaux. Moi, je pense que cette maman-là, on doit vraiment, vraiment grandir son buzz. Et son buzz doit durer parce que c'est un bel exemple. Elle n'a pas les moyens, elle pense à aider. Elle n'a pas les moyens, elle pense à aider. Pendant ce temps, il y en a qui en ont beaucoup, ces moyens-là, mais qui ne veulent pas aider. Donc, ma petite personne, avec mes petits moyens, quand j'aurai la chance de revenir sur Abidjan, je passerai la voir et je ferai une photo à l'appui pour vous montrer qu'effectivement, je suis passé voir cette mémé-là.
En tout cas, c'était la vidéo du jour. Partagez-la et allez chercher les publications de cette maman-là. Prenez son numéro et faites-lui un petit geste. Voilà, c'est une maman. Voilà, elle ne gagne rien à faire du buzz. Elle ne gagne rien à vouloir se faire voir. Voilà, c'était juste un message que je voulais passer à la population ivoirienne et au monde entier. Et je pense que le message est bien passé. Il faut encourager ce genre d'initiative-là. Voilà. Ciao, ciao. C'était Eritor. Elle a tué le faux buzz de votre déversaille-là.